Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdoulilah. Je me suis réveillée à 11h du matin, j'ai trop bien dormi, ça m'a fait trop du bien. J'aime trop me réveiller tard le matin, moi c'est un truc de malade. J'aime bien me réveiller tôt, comme ça ma journée elle est bien productive, je gagne du temps et tout, mais me dormir le matin, dormir jusqu'à 11h midi, c'est merveilleux quoi, c'est une sensation merveilleuse. Vive les fainéants. Voilà, je me suis fait un bol de Golden Grahams si j'ai mangé des céréales. Je me suis levée à 11h, du coup là il est 11h47. Je vais aller courir, je vais faire mon jogging, mon footing. Donc faut que je me mette un survêtement et je vais aller courir. Changement de plan! Il pleut grave, je peux pas aller courir, je suis comme une dingue, je suis dégoûtée. Il pleut, il pleut, il pleut, je peux pas aller courir. Dame nature, que me fais-tu? Tu m'empêches de faire mon jogging, mon footing. Bref, voilà, c'est pas grave. Donc je vais m'habiller, je vais regarder des vidéos YouTube et cet après-midi peut-être que j'irai voir Ahmed encore une fois, je sais pas trop. Je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Il pleut. J'ai trop envie d'aller à Normal acheter du popcorn au caramel. I don't know what to do today. Je vais faire quoi aujourd'hui? I don't know. I really don't know what to do today. It's a new day beginning. So we'll see. Je vais passer un appel visio à un ami de longue date que je connais depuis longtemps, que j'ai pas vu depuis longtemps parce qu'il habite plus à Lyon. Moi, je suis à Lyon et lui, il est à la campagne. Il est parti il y a plus de 2 ans à la campagne. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je vais l'appeler en ce moment. J'arrête pas de l'appeler. On s'appelle tous les jours et on discute avec Google Duo. Je sais pas si vous connaissez Google Duo. C'est lui qui m'a fait découvrir ça. C'est un peu WhatsApp, sauf que c'est Google. Coucou! Bien. Et toi? Pour la forme. Je suis en train de faire une vidéo, regarde. One eternity later. Là, on te voit bien, je vais te filmer. Voilà mon J'étais ami voir un Jérôme. collègue. Salut, c'est moi, Jérôme. Alias, June la menace. June la menace. Alias Zamora pour l'amour du goût. Pour l'amour du goût. Pour l'amour du goût. Le goût du risque. Non, 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 non. Yassé, Jérôme, les amis de l'enfer. Ils font des bêtises. On Pour suit l'amour leurs du goût. bêtises. Pour l'amour du goût. Du risque. Pour l'amour, juste pour y goûter, ils font que des conneries. Pour l'amour du goût, votez Zamora, Yas. Yas la Yas, menace. mais. Yas la menace. Alors, Yas, quand c'est que. Voilà. Quand c'est que. Allez, t'enchaînes, vas-y. Quand c'est qu'on gagne 1000 euros sur les Ah, jeux voilà, gratuits? voilà. Voilà, quand c'est qu'on gagne 1000 euros à Las Vegas quand on gratte et tout, tranquille, 1000 balles. Et personne dit rien. Encaissé, tac, tac, tac. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, tiens, t'es 2 euros. Tu sais? Je voulais sortir, mais il pleut. Je pensais qu'il pleuvait plus. Alors j'étais contente de sortir, mais il pleut. Voici le magnifique outfit du jour. Je suis rentrée du centre commercial, j'ai fait des courses, j'ai acheté des trucs à Normal. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Là, je me suis pris une boîte de 120 compléments alimentaires pour la peau. C'est ça. C'est de la marque Beauty Story. Beauty Story. C'est pour avoir une belle peau. Une peau claire.
Police. Donc je vais tester, je vous dirai. C'est des gélules comme ça, à avaler. Je pensais que c'était des gommes à mâcher, vous savez, comme les vitamines qu'on avait quand on était petits. Mais c'est des trucs à avaler, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de gélatine. Ça m'a étonné qu'il n'y ait pas de gélatine de porc. Souvent dans les compléments alimentaires, il y a de la gélatine de porc, faites gaffe. Donc voilà. Ça s'appelle Clear Skin Balance Beauty Vitamins. Complément alimentaire, 120 tablettes de chez Beauty Story. Et je me suis pris une palette de fard à paupières de chez Revolution Makeup London. Makeup Revolution London. Elle est comme ça. Le packaging, il est trop beau. Hein. Toutes ces paillettes, ça donne envie de... Ça donne envie d'acheter, tout simplement. Ça fait rêver. Elle est trop belle, la palette. Donc là, on a le miroir. Et là, on a les fards. Ils sont trop beaux. Je la testerai sûrement en vidéo au mois de janvier, vu que là, je fais les vlogmas. J'ai envie de swatcher des fards. Je vais swatcher lui et lui. Waouh! Il est là et il est là. Il glisse, c'est vraiment une texture bizarre. J'avais jamais vu ça comme fard à paupières, cette texture. C'est vraiment crémeux. C'est super crémeux. Et le vert, là. C'est vraiment trop beau. On a le vert au milieu. Elle est trop belle, cette palette. Je la testerai en vidéo, si vous le voulez, au mois de janvier. Je sais pas si je l'utilise avant ou pas. Je pense que je vais l'utiliser avant. Hein. Tant pis. Ce sera pas une première impression, mais ce sera une vidéo test. J'ai hâte de tester les compléments alimentaires et j'ai hâte de tester la palette de fard à paupières. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas été très productif comme journée. Je suis restée 2 heures au téléphone avec Jérôme, mais vraiment, même plus que 2 heures, je crois. C'est abusé comme je suis restée longtemps avec lui au téléphone. Mais c'était cool, je suis contente. C'est comme si je l'avais vu. J'ai l'impression que j'étais avec lui, alors qu'on s'appelait par visio. Il est un peu éclaté au sol, mon vlog d'aujourd'hui. Hein. Il n'y a rien d'intéressant. Heureusement, je suis allée à la Confluence. Heureusement, j'ai filmé quand je parlais à mon pote Jérôme. Je mange des curly. Après, si t'as curly, t'as pas d'amis. C'est quoi déjà la pub? Je m'en rappelle plus. Prends un curly, t'as pas d'amis. C'est quoi déjà la pub? Je m'en rappelle plus. Bon ben, mes chouchous d'amour. C'est la fin de ce vlog. Je vous fais plein de bisous. Mouah, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode des Vlogmas. Yeah!